Bonjour, chère signe de Lion, mes lions chéris. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Olga Vassiltchouk Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là pour votre taroscope pour le mois de février 2022. J'ai choisi l'option des taroscopes mensuels et non des taroscopes pour la nouvelle lune, pleine lune. Faute de temps libre, n'est-ce pas? Je dois gérer beaucoup de choses pour mon école. Donc, une fois par mois, ça sera suffisant. J'attire votre attention au fait que vous avez une liste de lecture qui s'appelle Prévision Astro Tarot pour toute l'année, l'analyse des transits et pour le signe de Lion. Et le tirage tarot, j'utilise plusieurs jeux pour les 12 mois de l'année 2022. Donc vous avez déjà beaucoup de choses à écouter. Bien sûr, nous allons voir en détail le mois de février aujourd'hui, mais une fois par mois, c'est plus que suffisant. En ayant la liste de lecture, playlist Astro Tarot 2022. Écoutez ce taroscope si vous avez Soleil, Lune, Vénus, Mars en Lion et Ascendant. Si vous avez le Soleil en Lion, il s'agira des tendances globales de fond général, hein, les tâches à accomplir pendant le mois. La Lune en Lion reçoit les prévisions pour la maison 4 du thème, la famille, le loyer, le foyer, la relation avec les proches. Le lieu et les conditions de vie. Vénus en Lion, maison 7, les relations de partenariat, les amours, les amis, les associés, les partenaires d'affaires, plus on va tirer les 15 pour le Vénus rétrograde. Mars en Lion, maison 10, du thème travail, l'argent qui vient avec, le salaire, l'ascension sociale, la carrière. Et l'ascendant Lion recevra sa surprise. Je vais utiliser aujourd'hui le Rider-Waite de base, aussi Symbolon, Keeper et Lenormand. Et je vais faire la croix celtique. Peut-être la prochaine fois, je vais faire autrement. Ça, c'est pour reprendre les taroscopes mensuels pour cette année de 2022 qui vient de commencer. Chaque fois, peut-être, je vais essayer de faire des choses différemment. Aujourd'hui, on regarde la croix celtique pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, Ascendant en Lion. Donc, pendant que je mélange, j'aimerais profiter de l'occasion et vous remercier pour vos vœux, vos cadeaux, vos pourboires, tout ce que vous m'avez écrit, envoyé à l'occasion de mon anniversaire que j'ai fêté le 24 janvier. J'ai célébré mes 44 ans et mes amis, clients ici, costariciens, j'en ai déjà, en espagnol, m'ont invité dans un restaurant, on fait une surprise. Vous avez vu les photos sur Instagram. En préparant un gâteau astrologique, c'était très très touchant, très drôle. Ok, on se concentre sur les lions pour le mois de février. Je sais que les gens aiment faire comme ça. Ok, je satisfais les mages, les besoins de la foule, maison 11, verso. Le présent. Énergie, pourquoi c'est renversé? Les énergies du présent. Je vais sortir deux cartes, je vais faire spontané. Pourquoi c'est renversé? Je n'utilise pas les cartes renversées pour ce genre de tirage. Bon, le diable et roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vous le lion. Pour un homme lion, c'est vous. Donc vous êtes en crise, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui vous rend esclave? Quelque chose, quelqu'un vous rend esclave. Vous êtes torturé par une situation, une relation, un lien, un travail qui vous enchaîne absolument. Pour une femme lionne, bah, c'est votre partenaire qui est lion ou quelqu'un de signe de feu. Donc, il n'y a peut-être pas libre, il y a une crise, vous êtes attaché. C'est un scénario que vous devez absolument suivre. Pas de libre arbitre, pas de marge de manœuvre. Et ça, c'est pas drôle pour personne, mais ça n'est pas drôle pour personne, mais surtout pour les lions. C'est un signe qui est libre, c'est un signe de feu. Qu'est-ce qui se passe ici, les lions? Pourquoi vous n'allez pas bien? Mais ce n'est pas votre état émotionnel, ce sont les circonstances, parce que c'est l'arcane majeur. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? Pourquoi vous êtes retrouvé là? Demandez. Janvier. Pourquoi c'est renversé? 5 de coupe, l'as de bâton. Vous étiez à un moment donné prêt à agir, prête, prêt à agir, ayant beaucoup d'énergie, l'enthousiasme débordé. Vous étiez, yes, je veux faire, je vais y aller, je vais le dire, je vais le faire. Mais
Soit vous avez entrepris quelque chose et ça n'a pas reçu de retour, pas d'écho, pas de... Vous étiez déçu. Déçu par les résultats de vos actions. Vous avez dit, Petra, c'était en vain. Tous mes efforts, mon enthousiasme, mon énergie, mon optimisme, ça n'a servi à rien. Ce n'est pas forcément le passé, vous savez, passé récent, c'est passé antérieur. Et peut-être il y a une passion, si c'est pour les amours, il y a une passion, relation passionnelle avec beaucoup de sexe, beaucoup d'attirance sexuelle, mais qui s'est terminée, vous étiez triste et voilà, vous avez dû. C'était pas satisfaisant. Bon, c'est pas pourquoi, ça c'est autre question, mais est-ce que vous êtes toujours dans vos pensées, est-ce que vous êtes toujours dépendant de, je ne sais pas, dépendante, vous y pensez toujours? Un diable reste un diable, hein? Reste le diable, hein? Est-ce que vous vouliez revivre l'as de bâton, revenir à cette action, à cette passion, si c'est pour le travail, pour Mars en Lion, cette activité? L'investissement de l'énergie, vous ne pouvez pas le lâcher, cette idée d'affaires ou des professionnels. Ou une personne avec qui vous aviez vécu une histoire très passionnelle. Bon, ok, je vais regarder tout de suite avec le symbolon que j'aime beaucoup, le sens caché des choses. Qui va expliquer, je vais sortir deux cartes, qui va expliquer ces deux cartes-là, 5 de coupe et l'as de bâton, le sens caché des choses. Golden Girls et l'affliction. Vénus, Taureau, Gémeaux, Mercure et l'affliction. Vous voyez, l'affliction, pour moi, l'affliction chez Symbolon résonne beaucoup, bien sûr, avec 5 de coupe. C'est quand on est handicapé, parce que ici, il y a Vénus, Mercure, pardon, Mercure, Gémeaux, Saturne, Capricorne. Vous étiez. Quelque chose s'était bloqué dans le passé. Passé antérieur, ça c'est vraiment passé antérieur. Qui peut être janvier de cette année-là ou l'année 2021 aussi. Hein. Vous savez, les Golden Girls, je les confonds toujours. Je vais regarder vraiment rapidement avec les deux visages de Ève. Ça c'est 66. The Golden Girls. Ici, hein, compétition. Compétition féminine. Bon, pour une femme, okay. Pour une femme, peut-être effectivement, parce que la majorité des femmes, ce sont des femmes, la majorité des gens qui me regardent, ce sont des femmes, n'est-ce pas? Si vous êtes une femme, le plus souvent, c'est vrai que vous êtes dépendante, vous pensez toujours à un homme, roi de bâton. Quelqu'un de signe de feu ou quelqu'un qui a beaucoup de feu dans son thème, avec qui vous avez eu une histoire passionnelle dans le passé qui a mal tourné et cette relation s'était terminée dans le passé et c'était pas terminé parce que l'affliction c'est quand on est handicapé, on se casse la jambe, on est cloué au lit, on doit rester à la maison, on ne peut pas être indépendant, autonome, on ne peut pas marcher, on ne peut pas sortir. Donc ce n'est pas la mort, c'est juste l'arrêt dans le chemin. Quand on ne peut pas faire ce qu'on veut faire, la relation n'a pas avancé. Ça peut être aussi le travail, appliquer ça au travail, Mars en Lion. Parce que il a pu avoir une autre femme, compétition. Pour le travail, ben, on a engagé quelqu'un d'autre, et non pas vous. Compétition professionnelle, compétition dans le domaine amoureux, pour le couple. Votre partenaire a essayé de regarder ailleurs ou quelqu'un a essayé d'intervenir dans la relation, une rivale pour une femme. Et cela a gelé la relation. Saturne Capricorne, gelé, arrêté.
Donc, si on cherche le sens caché des choses, pourquoi la relation, l'union, l'association, le travail, le business qui avait commencé tellement bien, c'était fougueux, hein, c'était passionnel, passionnel, passionné, c'était effervescent avec beaucoup d'énergie, beaucoup de implication des deux côtés. Et c'est la chose dont vous êtes toujours dépendant, dépendant dans votre thème, vous êtes toujours attaché à cette histoire du passé. Si vous cherchez à savoir pourquoi c'était arrêté ou c'était suspendu ou gelé, Saturne Capricorne, bah, les cartes vous disent que c'est parce qu'il y avait une rivale, bah, potentielle ou réelle, quelqu'un qui a gâché cette union personnelle ou professionnelle. D'accord, ça c'est passé en terre. Passé récent, je veux dire, vraiment récent, récent. Et cela peut concerner. Pourquoi c'est retourné? Je veux pas que ce soit retourné. Peut-être vraiment comme récemment, mois de janvier. Deux d'arcane mineure, deux de pentacle et trois de coupe. Vous étiez. Bon, c'est vrai qu'il y a une personne pour les femmes dans votre tête. Il y a un homme, le roi de bâton, qui occupe toutes vos pensées. Mais, plus que bon, puisque c'était terminé ou suspendu, vous, néanmoins, vous avez fréquenté d'autres personnes. Vous êtes sorti, hein? Sorti, amusé, mais c'était rien de sérieux, vraiment superficiel, juste pour vous amuser, pour rien que pour voir, regarder les autres personnes, comment elles sont. Quand on sort boire des verres, on rencontre du monde, et puis il n'y a pas, y a rien de spécial qui se crée, aucun lien spécial, particulier, profond qui se crée. Ne se crée. Ne se crée. Se créer, hein? D'accord? Mais vous n'êtes pas resté chez vous, vous êtes sorti, bon, si c'était décembre, janvier, les fêtes, etc. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être objectif de la période? Huit de pentacle, cinq de pentacle. Pour les amours, pour la famille, c'est vrai que ici, on vous dit, c'est le conseil, travailler sur ce qui vous manque. Si vous n'avez pas assez d'argent pour Mars en Lion, ben, il faut que vous remettiez au travail assez de vous amuser, hein, assez de rien faire. Si c'est pour rencontre amoureuse pour cette personne qui est dans votre tête ou pour quelqu'un d'autre, ben, si vous êtes seul et vous voulez rencontrer quelqu'un, ben, il faut faire un effort. S'il y a une déficience, il y a l'insuffisance, l'absence de ressources, le manque, ben, il faut vous impliquer, il faut faire effort, il faut faire ce qui dépend de vous afin de combler le vide. Parce que personne ne vous amènera sur le plateau ce dont vous avez besoin. Un effort de votre part est attendu, est exigé, est demandé. D'accord? Il n'y a pas de miracle ici. Si vous voulez conquérir quelque chose, quelqu'un, reconquérir, ça, tout est dans vos mains, tout dépend de vous. Futur immédiat. Futur immédiat, on va dire premier décan de février. Le pape est 8 de bâton. Bon, il aura l'information qui va entrer très rapidement. Vous allez recevoir beaucoup d'informations. Il y aura du mouvement. Il n'y a aucune stagnation ici. Donc, vous recevez les informations. Il y a les échanges des énergies. Les choses vont rapidement en plus. Les choses vont aller très vite. Et le pape, vous savez que c'est toujours la carte de l'engagement. Par exemple, offre de mariage pour les relations amoureuses. Pour le travail, c'est aussi quand on acquiert un mentor professionnel, votre patron, quelqu'un chez qui vous suivez une formation, par exemple, quelqu'un s'occupe de vous et vous prend en charge.
Donc, le cinquième élément, l'éther, que ce soit pour les amours ou le travail, c'est méga positif, l'arcane majeur, quelque chose qui se stabilise, qui, bon, ça se stabilise avec l'arcane majeur numéro 4, l'empereur, celui d'avant. Mais ici, chez le pape, nous voyons comme la bénédiction d'en haut, là, des cieux, du ciel, le Dieu, les anges sont de votre côté, hein? Et en plus, ça va aller rapidement. Ça va aller vite dans le futur proche, premier décan de février. Mais le conseil, comme le conseil de base majeur, c'est de faire tout ce qui dépend de vous, vous impliquer. Votre état intérieur, oui, potentiel intérieur, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Voilà. Le pauvre, la pauvre ou le pauvre, cœur brisé. Pour une femme, si vous, pour une femme lionne, si vous pensez que si vous êtes toujours comme esclave entre guillemets des souvenirs concernant le roi de bâton, ça peut être la même personne, vous savez, vous regrettez quelque part, vous dites j'ai cet homme m'a brisé le cœur ou j'ai brisé le cœur, cette séparation nous a brisé le cœur, cet homme s'est avéré très très sensible après tout, ou ça peut être quelqu'un d'autre, peut-être vous êtes vengé en disant non à un autre roi, un roi de coupe, parce que celui-là, le roi de bâton, dont à qui vous pensez toujours, bah avec lui, ne ça n'a pas marché dans le passé, donc vous voulez un peu vous venger en disant non à cette personne-là. Pour un homme, c'est vous, lion, roi de bâton, et c'est votre état émotionnel, donc très sensible, vulnérable, blessé, l'homme blessé, brisé, on vous a, c'est ce que vous pensez, c'est votre état intérieur, vous dites non, on m'a brisé le cœur, on m'a rejeté, on m'a fermé la porte, on m'a envoyé sur les roses. Oh là là, l'impact des circonstances extérieures. Mais regardez-moi ça, 2 de bâton, 6 de bâton. Les circonstances vont vous faire sortir de ce trou émotionnel, de cette souffrance. Quand on pleure sur son sort, on va vous offrir une nouvelle opportunité d'avoir une revanche sur l'échec du passé. Hein? Vous voyez? Quelque chose de nouveau. Dans le futur immédiat, n'oubliez pas qu'il y a le pape. Hein? Quelque chose de très très grand qui va vous arriver. Engagement majeur. Méga important pour vous. Donc c'est une nouvelle ouverture dans une nouvelle direction. Nouvelle occasion d'être de nouveau heureux, heureuse, satisfait, satisfaite, reconnue, choyée, appréciée, vénérée. 6 de bâton. Il y a une revanche sur le passé. Ne pleurez pas, les lions, s'il vous plaît. Ne pleurez pas. Ça s'applique à moi. J'ai Mars en lion, donc ça, c'est mon travail. Je sais de quoi il s'agit, bien sûr. Il y a une reprise de mon travail, hein, à partir de février. Hein? Donc, il faut que je fasse des efforts. OK. Vos craintes, vos peurs ou vos aspirations. La tempérance et 3 de bâton. Non, vous êtes optimiste au fond de vous. Vous, quelque part, vous avez la foi. Vous croyez à peut-être la réconciliation, que la poussière retombe, que tout s'arrange, que les énergies s'alignent, s'apaisent. Vous espérez la guérison, vous espérez que vous serez guéri si vous étiez malade par exemple, que vous réconciliez avec vous-même, l'entourage, le patron, le partenaire et que vous repreniez les 3 de bâton, parce que dans le passé il y avait l'as de bâton. Vous espérez de reprendre le mouvement entamé. Parce que, bon, là vous avez 2 de bâton, 6 de bâton. Une 8 de bâton, l'as de bâton, beaucoup de feu, beaucoup d'action. Donc c'est vrai que maintenant vous sentez abandonné et renié, abandonné, rejeté. Mais votre espoir, c'est d'aller de l'avant, de se calmer, de vous calmer, de reprendre les choses en bonne et due forme, calmement, tranquillement, en temps serein,
sérénité, sereine, serein, et que tout aille pour le mieux pour tout le monde. Maintenant, le plus intéressant, c'est ici le résultat, c'est-à-dire comment vous terminez le mois, hein? Ben voilà, il y a une reine d'épée et cavalier de bâton. Pour les hommes lions, il s'agit d'une femme de signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, qui va entrer comme une furie dans votre vie. Elle va rentrer dans votre vie, elle va venir chez vous ou vous allez aller chez elle. Donc, comme quelqu'un de très cérébral, intellectuel. Encore des bâtons, la passion. En train de passer ou pas forcément, revient dans votre vie. Il y a plein de choses qui vont se passer, beaucoup de mouvements. Pour une femme lionne, bah, c'est votre stratégie de comportement. Vous allez arrêter de peut-être vous détacher de cette personne-là un petit peu dans votre tête. Ne pas penser à d'autres victimes de votre comportement impulsif, si vous avez blessé quelqu'un, mais vous commencez à être plus cérébrale, en même temps entreprenante et active au niveau des actions à entreprendre, au niveau des pas réels de ce que vous allez faire. La femme lionne devient une femme de signe d'air, hein, et puis vous pouvez partir en voyage, vous pouvez avoir un déplacement, hein, ou des visites. Vous allez visiter quelqu'un ou des visites chez vous. Je pense qu'on va encore ici regarder. Bon, je vais sortir la troisième carte. 10 de coupe. Vous voyez comme ça va s'arranger ici, que vous soyez un homme ou femme lionne. Ici, 10 de coupe pour moi, c'est très similaire. Bon, c'est pas la même chose, bien sûr, à l'intempérance. Donc, famille heureuse, la complicité totale avec tout le monde, avec l'entourage, avec la famille, les partenaires, le travail, les collègues. Donc, ici, la fin est magnifique, hein? Ça commence pas bien avec le diable, mais ça finit très très bien pour le lion 10 de coupe. Pour Vénus et Mars en lion rétrograde, si vous avez Vénus rétrograde en lion, deux arcanes majeures, justice et étoile, vous allez pouvoir, en plus de tout ce qu'on vient de décrire pour la Vénus en lion, vous serez en mesure de réaliser un rêve de justice, c'est-à-dire que vous allez constater que la vie, enfin, met toutes les choses à leur place. C'est ce que moi je dis toujours à mes clients, que lâchez prise, faites confiance à l'univers. La vie, le temps mettra les choses à leur place. Tout va s'estomper. Bon, ça, c'est pas seulement s'estomper. Tout va se calmer. La justice, c'est la justice. Chacun reçoit ce qu'il mérite et c'est l'équilibre, c'est la balance, l'équilibre, c'est Saturne, l'ordre, l'organisation ce qui vous permettra de faire des projets à long terme, de réaliser l'histoire du Verseau, bon ici, reine de épée, de contempler l'avenir lointain heureux. Hein? Donc c'est méga puissant pour Vénus en Lion rétrograde. Vous ne serez pas en contradiction avec les circonstances. Vous allez dire, là maintenant, la vie est juste avec moi. Et là maintenant, je peux pouvoir, ça se dit pas, je peux, je peux rêver et contempler mon avenir plus lointain. Pour le travail aussi, tout s'arrange si vous étiez. Par exemple, vous serez indemnisé ou le patron va vous accorder raison. Ah, excuse-moi, j'avais tort, toi tu as raison. Donc, on va vous accorder, on peut dire, on va vous accorder, voilà, que on va admettre que vous avez eu raison, que vous étiez juste, que vous étiez loyal. Et de nouveau, la carte du Verseau, l'étoile, c'est l'occasion, le potentiel, la possibilité de visualiser l'avenir heureux, lointain, attention, heureux, et en ayant une bonne santé, en faisant de très grands projets pour l'avenir. Le conseil, deux cartes aussi pour le conseil. Qu'est-ce que vous devez faire, les lions? Oh!
Wealthy man, homme fortuné est le cadeau. Pour un homme lion, vous devez absolument être généreux et offrir un cadeau à peut-être à cette femme, reine d'épée. Vraiment être généreux, montrer que vous êtes prêt à partager, à donner. Et pas uniquement, il ne s'agit pas uniquement des valeurs matérielles, mais donner votre temps, votre énergie, toutes vos ressources que vous avez. Hein. Pour le travail, vous devez par exemple pour les affaires investir plus si c'est un investissement, si c'est un business, si vous êtes un employé, ne pas si par exemple faire les heures supplémentaires, donner plus de votre énergie, de vos ressources dans ce que vous faites. L'avertissement ou l'anti-conseil? L'avertissement ou l'anti-conseil? Expectation, ok. D'ailleurs, pour une femme lion, ici, il s'agit d'accepter le cadeau d'un homme qui va vous l'offrir. Hein. J'ai oublié de mentionner. Pour donc l'avertissement, l'anti-conseil, c'est ne pas attendre. Pour une femme, ne pas attendre l'homme de votre vie. Agir vous-même peut-être, entreprendre les choses, entreprendre de votre côté. Faire certains gestes envers lui. Donc, parce que c'est l'anti-conseil, ne pas attendre l'homme. S'il fait un pas vers vous, s'il prend l'initiative en main, parce qu'il va le faire, il y a le cœur du cadeau, c'est de ne pas attendre de l'accepter, parce qu'il faut lier toutes les cartes qui sortent dans le tirage, c'est la synthèse. Parce qu'avertissement, c'est que si vous attendez trop, vous allez, l'homme de votre vie va disparaître, va s'évaporer. L'avertissement, l'anti-conseil pour un homme, c'est... non plus, tampoco en espagnol. Non plus, ne pas attendre, ne pas rester... Attendre passivement, en contemplant. Mais vous manifestez comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut, en disant à la femme, je veux être le plus important dans ta vie, donc... Deux fois l'homme. Non, c'est aussi, c'est pour les lions, c'est méga positif, c'est constructif, mais à l'occasion que vous suivez les conseils des cartes, mes amis. J'espère que c'est clair. Et on va terminer avec la surprise pour l'ascendant lion. La surprise... L'ours, les oiseaux et l'étoile. Ça n'a rien à voir avec le reste des cartes parce que si vous n'avez pas de planète en lion, que l'ascendant, donc vous devez écouter que cette partie-là. Appel téléphonique, message, conversation, discussion avec un homme âgé, patron, père, oncle, le mari, comme l'empereur, quelqu'un qui... joue un rôle qui a le statut, le pouvoir, et c'est quelque chose qui va vous faire rêver, c'est la chose, communication avec ces personnes-là, dont vous rêviez depuis longtemps, c'est quelque chose qui va vous... Oui, ou bien cette personne-là, le patron qui vous appelle, il va vous dire, ok, tiens, je compte sur toi pour tel ou tel projet professionnel dans tel délai. C'est ce qui va vous surprendre. Communication d'un homme qui a un statut, pouvoir, argent, contrôle... Et surtout, ce n'est pas seulement l'appel, le contact, la communication, mais c'est surtout des projets que vous allez faire ensemble pour l'avenir. La conséquence de cette surprise, par la suite, qu'est-ce que ça va vous donner là? Le cœur et la croix.
Pour les amours, pour les ascendants lions, c'est vrai qu'il s'agit de dialogues, de conversations avec un homme pour les femmes. Très intéressant, très puissant. Et ça va devenir après un amour, bon, peut-être qu'il sera comme un fardeau, je ne sais pas, mais un amour karmique. Relation inévitable, pas forcément négatif. Relation inévitable, amour karmique. Comme une croix à porter, mais la croix à porter qui est l'amour, c'est une croix qui n'est pas lourde. Pour le travail, par exemple, si c'est l'appel du patron ou du futur patron, ça va être aussi le travail que vous allez adorer, cette collaboration professionnelle que vous allez adorer, ça va être inévitable. Hein. C'est le destin qui vous le prépare et vous ne pourrez pas passer à côté. C'est positif pour moi, la conséquence de cette surprise. Alors, les lions, ça vous plaît le tirage? Mes amis, j'espère que je vous ai éclairci les choses, mais regardez les prévisions Astro Tarot 2022 pour l'analyse astrologique des transits pour votre signe. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre temps, votre présence. À bientôt. Au revoir.